Nous allons donc dans cette partie parler des tuples. Alors, un tuple, c'est en fait une liste ordonnée d'éléments de type séquence et donc immutable, c'est-à-dire non modifiable comme nous l'avons vu avec les chaînes de caractères. Pour décrire un tuple, c'est assez simple. En fait, le tuple est défini par des parenthèses. Donc, si je déclare tuple égale ouverture fermée sur deux parenthèses, je déclare un tuple vide. Donc si je regarde son type, il est de type tuple. Alors bien sûr, je l'appelais tuple ici, mais je pourrais l'appeler mon tuple par exemple. Pas confondre et voir que c'est bien marqué de type tuple, hein, il n'a pas repris le nom de ma variable. Donc je crée un tuple vide. Si je veux créer un tuple avec un élément, ben je vais reprendre par exemple mon tuple et je vais lui dire que je vais mettre l'élément à l'intérieur. Donc j'ai un tuple. Si j'affiche ce tuple, qui contient l'élément 1. On va pouvoir définir les tuples avec le constructeur. Donc le constructeur, c'est celui-ci, donc tuple. Donc là, bien sûr, il va me renvoyer une erreur parce que je ne mets rien à l'intérieur. Je vais donc pouvoir transformer un tuple en liste, par exemple. Et un liste en tuple, les listes que nous verrons plus tard, donc je reprendrai cette partie un peu plus tard. Donc si je déclare mon premier tuple, je vais reprendre mon tuple et je vais mettre à l'intérieur des éléments. Je peux mélanger tout le type d'éléments dans mon tuple. Par exemple, je vais mettre 1,2, donc une chaîne de caractères, un entier. Je vais mettre 3,0 pour un float. Donc un nombre virgule, je suis en train de chercher mes mots. Donc je vais pouvoir remettre un entier. Donc j'ai fait 1, 2, 3, je vais faire 4. Je vais pouvoir mettre derrière, je sais pas, allez, un complexe, un plus 2j. Donc voilà, j'ai défini mon tuple. Alors il me dit une erreur, parce que bien sûr, j'ai oublié de mettre ici un égal pour le définir. Et donc si j'affiche mon tuple, j'ai le contenu. Donc je vois que j'ai tout type de variables. Je vais pouvoir créer un autre tuple. Donc je vais l'appeler mon deuxième tuple. Je vais définir dans ce deuxième tuple, par exemple, qu'est-ce que je n'ai pas mis dans le premier? Je vais définir 2 sous cette forme et je vais mettre mon tuple à l'intérieur. Donc je peux mettre un tuple dans un tuple et si je regarde le contenu de mon deuxième tuple, voilà, j'ai bien ça. Je vais pouvoir utiliser les slices comme précédemment avec les chaînes de caractères et donc je vais pouvoir faire du print. Alors je vais prendre mon deuxième tuple, donc mon deuxième tuple par exemple, et je vais lui dire que je veux entre crochets afficher. Je vais prendre par exemple mon élément 1. Donc si on regarde mon élément 1 de mon tuple 2 qui est celui-ci. Voilà, ici j'ai mon tuple 2. L'élément 1, donc 0, 1, il m'affiche donc le contenu de l'élément 1 qui est le nombre 2. Si je veux voir si je veux voir
mon tuple qui se trouve dans mon tuple, mon deuxième tuple. Donc c'est l'élément 0, 1, 2. Donc je vais reprendre ça ici pour reprendre mon élément 2. Et je vais voir que je vais afficher le contenu de mon tuple qui se trouve dans mon deuxième tuple. Si je veux maintenant accéder à un élément de mon tuple qui se trouve dans mon deuxième tuple, je vais simplement lui dire que, comme en faisant mon deuxième tuple 2, j'accède à mon tuple, ben je vais redéfinir que je veux accéder derrière. Par exemple, je vais prendre mon élément Z1, 2, 3, par exemple. Donc, j'accède ici. Avec 2 ici, j'accède à mon tuple. Avec l'élément 3, j'accède à l'élément 3 qui est le mot 4 de mon tuple. Et je peux, par exemple, récupérer encore ici un élément. Et donc là, j'ai récupéré 0, 1, 2, 3, 4, le R ici, de l'élément 4 de mon tuple, de mon deuxième tuple qui se trouve dans mon premier tuple. Donc je peux comme ça récupérer des choses assez facilement. Si je prends maintenant, je peux utiliser les slices vus précédemment. Je vais prendre maintenant, je l'appelais mon tuple, celui-ci. Et je vais récupérer, par exemple, les éléments de 1 à... Alors j'avais mis combien d'éléments dans mon tuple ? 0. Je vais faire 3. Voilà. Je récupère, donc, on l'a vu, pour les chaînes de caractères, l'élément 1 inclus, l'élément 3 exclu. Donc, je vais récupérer 1 et 2. Les éléments 1 et 2. L'élément 1 contient le mot 2, la chaîne de caractères 2. Et l'élément 2 contient le flottant 3.0 que je retrouve donc ici. Élément 1, élément 2. Je vais pouvoir faire, comme je l'ai fait pour les chaînes de caractères aussi, faire par exemple, récupérer mon tuple par pas, tout mon tuple par pas de moins 1, c'est-à-dire inverser mon tuple. Donc vous avez mon tuple qui se trouve ici. Donc on a bien mon tuple qui est inversé, puisque j'ai pris 2.2. tout mon tuple par pas de moins 1, c'est-à-dire que je suis parti de la fin. On a dit que le tuple était immuable, donc non modifiable. On va essayer de modifier ce tuple. Donc je vais reprendre mon tuple et je vais essayer de le modifier. Par exemple, je vais mettre dans son élément 2, je vais essayer de lui insérer. Cet élément sous test, et on va voir que donc je récupère une erreur sur mon tuple, puisque il est immutable, je peux pas venir comme ça modifier. Avec les chaînes de caractères, nous avions vu aussi que nous avions une fonction qui permettait de compter le nombre d'éléments. Ça va être pareil pour le tuple, c'est le même, len. Donc si je fais len de mon tuple, je vais récupérer le nombre d'éléments de mon tuple. Alors si je reprends mon tuple, on va quand même vérifier. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Donc on a bien 5 éléments de mon tuple que je peux récupérer comme ça facilement. L'opérateur in est aussi valable. Donc je pourrais regarder par exemple, est-ce que 2... et dans mon tuple, donc nous aurons la réponse vrai, true. Est-ce que, alors qu'est-ce que je n'ai pas mis 5, et dans mon tuple faux. Donc on pourrait utiliser aussi cet élément pour voir si quelque chose est dans un tuple ou non. Il existe des méthodes pour les tuples. On va prendre les plus courantes, mais il y en a beaucoup. Donc je vais pouvoir compter donc mon tuple. Par exemple, je vais pouvoir faire du point count sur mon tuple et rechercher par exemple l'élément
Alors mon tuple, 1, 2, je vais faire 4. Et donc je récupère l'élément dans mon tuple. Donc il y a une fois 4 hein, dans mon tuple. Si je fais, je veux trouver où se trouve cet élément 4, je vais utiliser la méthode index qui va me dire que l'élément 4 se trouve, alors ici 0, 1, 2, 3, donc 4 se trouve ici en troisième position, hein, 0, 1, 2, 3, dans mon tuple. Si bien sûr, quand j'ai fait mon tuple.count, 4 était plusieurs fois dans mon tuple, il m'aurait donné la réponse ici. On peut peut-être faire un test. Je vais reprendre mon tuple que j'ai déclaré beaucoup plus haut. Voilà, et je vais leur rajouter ici un élément 4. Alors, 4 ici. J'ai laissé passer ça ici, voilà, et je vais reprendre, voilà, mon tuple.count. On voit bien qu'il y a donc deux fois l'élément 4 qui apparaît ici. Donc voilà pour les tuples, hein. Donc en résumé, nous pourrons récupérer chaque élément du tuple, faire des slices avec les tuples, comme nous avons vu avec les chaînes de caractères. Il y a des méthodes qui existent, alors je peux regarder un peu tout ce qui existe comme méthode pour les tuples. Donc là, parenthèse, parenthèse, c'est donc un tuple. Donc voilà ce que l'on peut retrouver, donc index, count que je viens de voir ici. La prochaine fois, nous verrons les listes qui, elles, sont mutables. Et donc nous pourrons modifier ces listes. Hein. Nous verrons qu'elles seront très utiles pour la suite. Des cours en vidéo, et donc à la prochaine fois pour les listes.